ONG Empower aide les femmes à prendre le pouvoir. Bonjour Nina, bienvenue chez Sister Paris. Lancé en 2020, le programme Women Dare propose un accompagnement auprès de femmes dans leur projet de création d'entreprise. Allons nous renseigner auprès de Joséphine, la directrice France d'Empower. Donc Women Dare, c'est un programme qui a été développé en France à partir de 2020 et qui vise à accompagner les femmes vraiment en pré-création, donc les femmes qui sont très en amont du lancement de leur projet entrepreneurial. Et en fait, on va les accompagner de l'idée, de leur tout premier pas jusqu'à la création et la formalisation de leurs entreprises. On travaille avec une vingtaine d'experts et d'expertes qui sont spécialisés dans les questions d'accompagnement. En plus de rejoindre un programme soutenu par le FSE, les entrepreneuses ont accès à des formations, des sessions de networking et des conférences. L'objectif ? Faciliter les rencontres et créer des opportunités grâce à un réseau d'entraide. On a 80% de sorties positives, donc c'est un chiffre dont on est très fiers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 50% de création d'entreprise et 30% de retour à l'emploi. Et ce n'est pas Rose qui dira le contraire. Bonjour Nina, enchantée, je suis la créatrice des Papilles Vertes. Elle participe depuis 3 mois au programme Women Dare. Ce dernier lui a permis de se lancer et de concrétiser ce qui n'était qu'une idée au départ, les Papilles Vertes. Il s'agit d'un projet d'activité pour enfants à faire chez soi autour de l'alimentation. Mes attentes par rapport à Women Dare, c'est que ça me donne un peu toutes les briques du parcours entrepreneurial et que quand j'ai des questions ou des thématiques spécifiques que j'ai envie d'explorer, je puisse participer à des ateliers ou à des coachings. Ce que j'attends après plus généralement d'Empower, je pense que c'est vraiment cet aspect communauté, le fait de pouvoir discuter de mon projet avec pas mal de personnes. Comme Rose, 250 femmes ont été accompagnées par Women Dare et 19 000 personnes ont été sensibilisées à l'entrepreneuriat féminin. Votez pour nous ! Vous souhaitez soutenir Joséphine, Rose et les futures femmes entrepreneuses en Ile-de-France ? Votez pour elles, le projet numéro 7.